Désormais, comme vos parents, vous faites partie de l'organisation secrète de Pole Position. Luc, attention, on y va! D'accord, petite sœur. C'est au nom de la loi qu'il vous en chevaux à vitesse turbo. C'est l'heure des acrobaties. Quand tu veux, Turbo. Turbo, l'hydroglisseur. Hydroglisseur en position. Zoom, sors l'hydroglisseur, vite. Je suis à vos ordres, chef. Ça y est, je le tiens. Fais attention, Luc. Il faut un peu plus que des eaux troubles pour me faire peur. Oh! Ne sois pas trop téméraire, Luc. Je ne pense pas que l'assurance rembourse les collisions avec les dinosaures. C'est ce que j'appelle un bel exploit. Oui, tu as toujours eu une âme de cascadeur, Luc. Direction la prison pour cet individu. On dirait de vrais dinosaures, tu ne trouves pas? Malheureusement pour eux, les dinosaures ont disparu il y a environ 63 millions d'années. Oui, et cette poursuite m'a paru tout aussi longue. Je vais prévenir oncle Zachary que la mission est accomplie. Zoom, appelle Zachary sur l'écran. D'accord, Liz. Je suis vraiment curieux, il ne répond pas. Essaye encore, Zoom. Mais il est peut-être pas là. Mais c'est impossible. D'habitude, il est toujours là. Le signal d'alarme. Je crois que votre oncle Zachary a des ennuis. Il faut aller voir ce qui se passe. Je veux bien, mais on ne sait pas où se trouve le quartier général de Pole Position. Ah oui, t'as raison. Je sais où il est, moi. Zachary t'a donné cette information? Et nous, on ne sait rien. Il faut dire que les ordinateurs savent garder les secrets. J'en connais certains qui ont les circuits enflés. Trêve de plaisanterie, il faut y aller. Et tout de suite. Donc ici que se trouve le quartier général de Pole Position. Ah, je dois dire que c'est assez impressionnant. Oncle Zachary, tu es là? Cherchons par ici, mais soyons prudents. Il est super son bureau. Les étagères sont à ma hauteur. Oui, elles sont aussi à la hauteur de Kuma. Vous avez vu ce puzzle? Oui, Alex.
Non, Kuma, c'est défendu de toucher. C'est curieux. J'ai jamais vu un morceau comme celui-là. Mais où est la salle des ordinateurs? Je ne savais pas qu'oncle Zachary avait la passion des puzzles. À mon avis, il a dû dissimuler l'entrée. Oui, un genre de panneau secret. Et généralement, ce type de panneau, eh ben, ça s'ouvre quand on fait un truc comme ça. Voilà. Ah, quand ? Ah, hein ? Qu'est-ce que je vous avais dit ? Je suis d'une perspicacité. Oncle Zachary a dû être kidnappé. C'est la seule explication. Tiens, regarde. C'est une carte de visite. Voyons voir, Alfred Marcelin. Mais c'est le président des industries internationales Marcelin. Il est peut-être au courant pour oncle Zachary. Hé, hey, regarde! Mais c'est Alfred Marcelin. Pour vous servir. Mais qui êtes-vous? Nous sommes venus pour voir oncle Zachary, mais nous n'avons trouvé personne. Il n'est pas là. Nous pensons que quelque chose lui est arrivé. Pouvez-vous nous aider? Eh bien, j'ai eu une réunion avec lui ce matin pour discuter d'un projet, et je dois dire très franchement que je l'ai trouvé bizarre. Bizarre? Que voulez-vous dire par bizarre? Oh, il n'était pas comme d'habitude. Il ne cessait de marmonner cette phrase, trouver le poisson coloré. Trouver quoi? Oui, admettez que c'est très curieux. J'espère que cela vous aidera quand même à le retrouver. Bah, je vous remercie. On se débrouillera. Bonne chance. Allons-y. Poisson coloré, je me demande bien ce que ça veut dire. Oh, regardez, une autre pièce du puzzle. Et en voilà une autre. Et encore une autre. Isa, tu t'amuseras plus tard. Pour l'instant, il faut retrouver Zachary. Cherche dans ta mémoire le nom de tous les aquariums de la ville, Turbo. Non, mais tu veux faire exploser mes circuits? C'est un travail de titan. Mais où veux-tu trouver un poisson coloré si ce n'est dans un... Un port. Turbo, tu peux laisser tomber les aquariums, t'as raison. Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée, Luc. Fais-moi confiance, j'ai comme l'impression que nous allons y trouver notre poisson coloré. Excusez-le, monsieur. Je vais te renvoyer à l'école des bonnes manières. J'ai la désagréable impression que nous sommes en train de perdre notre temps. Pourtant, c'est bien ici. Ce restaurant s'appelle bien le Hareng Rouge. Nous interrompons nos émissions pour un flash spécial. La police et la DST recherchent Luc et Lise Darnett, qui seraient impliqués dans la disparition de Zachary Darnett. Ça alors? T'as vu, c'est nous? Mais comment ont-ils eu notre photo? Le système de sécurité de Zachary a enregistré notre passage à son bureau. Oui, mais dans quel but? Et qui a envoyé cette cassette à la police? Je ne sais pas, mais il y a peut-être du Marcelin là-dessous. Oh, tu parles sérieusement? Ben, pourtant, Alfred Marcelin est un homme d'affaires mondialement connu et respecté. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah, je ne vois qu'une solution. La fuite! Arrêtez! On va avoir des ennuis. On commence à en avoir l'habitude. Eh ben voilà, qu'est-ce que tu veux? J'ai un destin de héros, moi. Et si on tentait de les semer, hein? C'était une excellente idée. Il y a des jours où je rêve d'être une diligence. Le temps presse, Zoom. Donne-moi la liste des poissons qui ont une couleur dans leur nom. Je suis un puits de science. Autant profiter. Alors nous disons la truite arc-en-ciel, le lieu jaune, le requin bleu, le rouget. La truite arc-en-ciel, c'est un joli poisson. Et puis elle a toutes les couleurs, elle. Tu as raison, Isa. Zoom, tu me passes en revue tous les immeubles ou les sociétés qui ont truite arc-en-ciel dans leur appellation. Il y a un restaurant dans le quartier chinois qui s'appelle comme ça.
Il n'en est pas question. Vous deux, vous restez dans la voiture. Regardez, c'est le nouvel an chinois. Tu as vu, ils sont là. Notre indicateur nous a bien renseigné. Attrapons-les. DST, vous allez nous suivre bien gentiment. Il y a vraiment des jours où tout va mal. Luc et Liz sont encerclés. Nous devons trouver le moyen de les aider. Je crois que j'ai une idée. Il faut les rattraper. Mais comment allons-nous les semer? Suis-moi. Ah, tu les vois? Ils ont dû partir par là. Akuma. Tu n'as jamais vu de dragon de ta vie? Eh bien, on l'a échappé belle, mais on a quand même failli tomber dans leur piège. Toutes ces histoires de poissons ne sont là que pour détourner notre attention, j'en suis certain. Oncle Zachary nous a peut-être laissé des informations avant d'être kidnappé. Ah, parce que tu veux retourner là-bas? Je nous vois mal revenir au bureau de l'oncle Zachary et dire aux policiers « Ça vous dérange pas si on jetait un œil ?» Oui, tu as raison, on risquerait de se faire jeter en prison en moins de deux. Surtout qu'Uma ne fait pas de bêtises. Et où croyez-vous aller, mademoiselle? Il est interdit de stationner ici. Je voulais juste faire une promenade à mon chien. Bon, ça va, allez-y. Parfait, il n'y a personne à l'intérieur. C'est le moment d'y aller. Faut faire attention, pour une fois que Luc me laisse jouer au détective privé, je n'ai pas l'intention de commettre des erreurs. Veux-tu bien laisser ça tout de suite? Regarde, c'est une cassette où on voit Oncle Zachary travaillant sur son puzzle géant. D'après moi, Kuma, c'est cette caméra de surveillance qui a dû enregistrer la cassette. Ah, Monsieur Constantin, comment on se retrouve? Monsieur Constantin? Mais je croyais qu'il s'appelait Marcelin. Ne perdons pas de temps, vous savez ce que je veux. Donnez-le-moi. Jamais. Il n'en est pas question, je le donnerai moi-même aux Nations Unies. Faites attention, Zachary. Vos menaces ne me font pas peur. Rien ni personne ne me fera changer d'avis. C'est ce que nous allons voir. Ça alors? Il faut que je prévienne Luc au plus vite. Ça suffit, tais-toi, Kuma, tu es ridicule. Tiens. On dirait une autre pièce du puzzle. C'est bizarre que Zachary laisse traîner son jeu partout. Je ne suis pas la seule à laisser traîner mes affaires. Kuma, non! Ah, bravo! Maintenant, on est coincé ici. Il va falloir que quelqu'un vienne nous délivrer. Tiens, mais qu'est-ce que c'est? Une autre pièce du puzzle géant de Zachary. Tu es le plus grand de tous les détectives, Kuma. Je sais.
chinois. Si seulement il y avait un mode d'emploi pour l'ouvrir. Laisse-moi faire. Il y a toujours un truc spécial pour ouvrir ce genre de boîte. Et il se trouve que je le connais. Je suis désolé, mais on est obligé d'employer les grands moyens. Parce que si même moi, je ne sais pas ouvrir ce genre de boîte, qui saurait le faire? Kuma, tu es le plus malin de tous! Bon, tu n'as pas fait exprès, mais tu me fais honte quand même. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Un bout de rocher. Un bout de rocher? Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire, un bout de rocher? Toi qui as un caillou à la place du cœur, tu devrais le savoir. Zoom, branche-toi sur l'ordinateur central. J'ai besoin d'une information. Comment Zachary l'a appelé? Constantin. Ça y est. Véric Constantin, 54 ans, inventeur de génie, condamné pour espionnage il y a 20 ans. C'est quand même curieux parce que Constantin et Marcelin ne se ressemblent pas du tout. Véric Constantin a purgé sa peine au pénitencier d'Alcatraz. Alcatraz, mais bien sûr! Mais bien sûr. Là, j'ai un métro de retard. Tu sais comment on surnomme Alcatraz? Ah non, j'en ai pas la moindre idée. Mais si, on l'appelle le rocher. Ah. Et c'est quoi Alcatraz au juste? C'est une île située dans la baie de San Francisco. Avant sa fermeture, Alcatraz était une prison. C'est peut-être là-bas que se trouve la clé de l'énigme. Alors allons-y. Youpi! Par ici! Luc, je reçois des signaux de la prison. Je crois bien qu'il y a quelqu'un là-bas. Ça prouve qu'on est sur la bonne voie, Turbo. Oh, mais... Malheureusement, nous ne sommes pas les seuls. Pour l'instant, je ne vois rien. Prends le relais, Zoom. À vos ordres, chef. Je crois que j'ai ce qu'il nous faut. Tu as été formidable, Zoom. Le contraire eût été étonnant. Prison droit devant. Maintenant, à toi, Turbo. Garde bien la lune. Je parie que c'est la première fois que quelqu'un entre dans une prison par effraction. Qu'est-ce que c'est? On dirait des morceaux d'un puzzle géant. Regardez, il y a quelqu'un qui les jette par la fenêtre de cette cellule. Par ici, les enfants! C'est oncle Zachary! Il est là-haut! Tu peux ouvrir la cellule, Turbo? Laisse-moi un peu de place! Beau travail, Turbo. Venez. Bonjour les enfants. Je suis content de vous voir. Il y a si longtemps qu'on ne s'était pas parlé face à face. Mais oncle Zachary, tu es paralysé? On l'ignorait complètement. Je vous l'avais caché. Et par la force des choses, vous avez pris la place de mes jambes. Mais pourquoi ne pas nous l'avoir dit? On aurait pu s'occuper de toi. Je vous remercie, mais je dois me débrouiller tout seul. Enfin, jusqu'à présent, j'ai pu. Constantin, alias Marcelin, a court-circuité le système de sécurité du quartier général. Il m'a bien eu. Oh là là! Voilà encore une autre pièce du puzzle. Je peux la garder? Je suis désolé, mais c'est impossible, Lisa. C'est une pièce très importante. Le puzzle! Je comprends. Oui. Il est à moi maintenant. Ça va? Oui, oui, ça va. Mais il faut le rattraper. Luc! Non! Lise, mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, c'est dangereux! Mais il va nous échapper! Il a électrifié le couloir pour qu'on ne puisse pas le suivre. Il ne faut pas marcher là-dessus! Non, c'est pas vrai!
Il ne va pas nous échapper comme ça. Faites-moi confiance. J'y vais. Ah non, il n'en est pas question. Je dois récupérer le morceau du puzzle. Constantin n'a pas pensé que les pneus de mon fauteuil me protègent de l'électricité. Maintenant, à vous de me montrer ce que vous savez faire. Ça m'a l'air très bien parti, nous avons la situation parfaitement en main. Je te trouve parfaitement optimiste. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Au secours ! On va trop vite pour tourner. Rentre l'hydroglisseur. Personne n'entendra plus jamais parler d'eux. Et ils vont moisir au fond de la mer. Oh ! Savez-vous où vous allez vous reposer ces 30 prochaines années? Je vais vous mettre sur la piste. Tenez, regardez ce que Turbo dessine. Zachary a vraiment des puzzles super chouettes. On dirait que tu ne sais pas t'en servir. C'est facile. Tiens, regarde. Marcelin a réussi à avoir une double identité pendant des années. Il était un espion international et un homme d'affaires respecté. Rien ne l'aurait arrêté quand il a su que j'avais en ma possession les preuves de sa double identité. C'était vraiment rusé d'avoir caché le microfilm dans le puzzle et de semer les morceaux comme le petit pousset. Ce n'est pas drôle du tout. Enfin, si, c'est drôle. Bonjour.